La Guinée occupe le 14e rang des pays qui ont rapidement ratifié la Convention relative aux droits des enfants. C'est un engagement auquel le gouvernement guinéen a souscrit en 1990. Depuis cette date, la promesse est tenue par les autorités du pays au respect des droits notamment liés à une éducation de qualité, la santé pour tous les enfants et autres. Beaucoup d'efforts sont fournis, mais des défis existent encore. Depuis la ratification de la CEDE, des efforts ont été fournis en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Cependant, il n'en reste pas moins que les défis restent encore majeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, en République de Guinée, il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Le gouvernement, à travers ses services techniques, met des bouchées doubles pour le respect des droits des enfants en République de Guinée. Cette volonté politique exprimée a été hautement saluée par les acteurs de protection, dont la tutelle, dans le cadre de la concrétisation de cet engagement. Des actions ont été menées, mais malgré ces résultats qui sont tangibles sur le terrain, il y a lieu quand même de reconnaître que par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 et l'ODD 16, les indicateurs ne sont pas au vert. La célébration de cette journée internationale de la Convention relative au respect des droits des enfants est placée cette année sous l'angle du renforcement de l'éducation à la base.